Good morgen, allez, Idan, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Mourivra, Bishmoel, Ben, Shlomo, Zalman, Nissiman, Aouda, Sarabat, Rachel, Shlomo, Ben, Esther, Shabbat, Chaim, Chaimia, ainsi que leur foi, Tavra, Mourib, Ben, Reout, Betor, Shachol, Israël. Ce que c'était aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah, contactée à la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Yudalet, Mishnah Yud, la dernière Mishnah de la Maserhet Bezrat Hashem. Elo, Kodashim, Kerevin, Ba Mishkan. Kodashim, Shehugdeshu, la Mishkan. Korbenot, Atzibur, Kerevin, Ba Mishkan. וקורבנות היחיד בבמה, קורבנות היחיד שהוקדשו למשכן, יקרבו במשכן, ואם יקריבן בבמה, פטור. מה בין במת יחיד לבמת ציבור, סמיכה ושחיטת צפון, ומתן סביב ותנופה, והגשה, רבי יהודה אומר, אין מנחה בבמה, וכיון, ובגדי שרת, וכלי שרת, וריח ניחוח, ומחיצה בדמים, ורחוץ ידיים ורגליים, אבל הזמן והנותר והתאמה שווין בזה ובזה. Bon, il faut... Mais ce n'est pas compliqué si on connaît toutes les introductions, mais il va falloir tout introduire, bien sûr, bien évidemment. La Mishnah est coupée en... Il y a deux sujets dans notre Mishnah. On va faire un petit peu d'ordre. Je vais d'abord quitter un petit peu la Mishnah elle-même et vous rapporter plutôt ce qu'il y a écrit dans la fin du premier pérec de Megillah. C'est important à connaître pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. On parle maintenant, depuis plusieurs Mishnayot, des Bamot, Bamat Yachid. Soit, vous rappelez, il y a des fois où on a le droit d'offrir des Korbanot dans une Bamat Yachid, dans un hôtel personnel particulier qu'on fait chez soi à la maison, on construit un petit hôtel qui s'appelle une Bama, pas un Misbeach. Ça s'appelle une Bama. Et à la différence du Misbeach qui est plus public. Maintenant, une précision qui manque, qui n'a pas été dit ici, mais qui est plutôt précisée dans Maserhet Megillah, premier Pérec, fin du premier Pérec, c'est d'expliquer que une Bama, c'est pas encore le Misbéach. C'est-à-dire, on va prendre le cas par exemple lorsqu'il y avait le Misbéach, on va parler juste de ce cas-là d'ailleurs, Misbéach qui était à Gilgal, le Mishkan qui était à Gilgal, ou encore à Nov et Givon. Il y avait une situation originale en fait, où il y avait un Misbéach public qui était en fonction. Mais il y avait malgré tout une permission de faire des korbanot chez soi à la maison aussi, de construire une bamat yachid. Durant toute cette période, alors, on avait certains korbanot qu'on faisait chez soi à la maison et d'autres korbanot qu'on faisait sur la bamat tzibour. Sur la bamat tzibour, c'est-à-dire l'hôtel qui était public. Maintenant, il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de faire tous les korbanot. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de korbanot. En réalité, il y a des korbanot qu'on peut faire juste parce qu'on a envie de faire un cadeau à Hachem, que ce soit un shlamim ou une ola. Ouais, c'est un cadeau qu'on fait sans aucune obligation. Il y a à part ça des korbanot qu'on fait par obligation parce qu'on a fauté, par exemple, on veut faire un khatat ou un sham selon la faute. Et il y a à part ça des korbanot publics que l'on offre à des moments particuliers, pendant les fêtes. Korban Pessah, ça aussi concerne un korban public, où il y a une obligation, mais pas parce qu'on a fait quelque chose, mais plutôt qui dépend du temps. Il y a des korbanotes particulières à Rosh Chodesh, des korbanotes pendant les fêtes. Chaque fête, elle a ses korbanotes. D'accord ? Donc trois sortes de korbanotes. Retenez-les, c'est important pour faire de l'ordre tout de suite. Il y a ce qu'on appelle ce qui est Nidar Venidav, les Nedavot, qu'on fait cadeau à n'importe quel moment. Shlamim, Toda, Ola. Shlamim et Ola, c'est les deux grands exemples. Ok ? On peut le faire dans ce cas-là de partout. Il y a, à part ça, toute une sorte de korbanotes que l'on ne peut faire que lorsqu'il y a un vrai Bet Hamikdash ou un Mishkan bien fixe. C'est-à-dire les Chataot, Chatat et Hacham. Un Korban Chatat et Korban Hacham, qu'on fait par rapport à une faute, même à l'époque, pendant les 14 ans de Gilgal et Nov et Givon, plutôt les 14 ans de Gilgal, ou encore 57 ans à Nov et Givon, il n'y avait plus de Korban Chatat et de Hacham. Même s'il y avait une Bamat Tzibour, cette Bamat Tzibour n'était pas un Mishkan comme il faut. D'accord ? Comme ça sort de la Mishnah de Maserhet Megillah, du fin du premier chapitre. Donc on a trois groupes. Maintenant, le but de notre Mishnah va être de nous parler maintenant, de comparer à l'époque où il y avait la possibilité d'offrir un Korban chez soi à la maison, et aussi dans une Bamat Tzibour, donc à Nov ou à Givon ou à Gilgal, quel Korbanot pouvait-on offrir chez soi à la maison, et quel Korbanot était-on obligé d'apporter à Nov et Givon. C'est le but de notre Mishnah. De manière générale, je vous pose tout de suite l'axiome,
tout ce qui est korban simple qu'on peut faire soi-même, korban shlamim et ola, alors on avait le droit de le faire dans la bamat yachid. Mais tout ce qui va prendre un caractère beaucoup plus national, un korban national, comme par exemple Arosh Chodesh, pendant les fêtes, ou même le korban Pessah, où il fallait que tout le Ham Israël qui vienne ensemble au Gilgal, comme ça s'écrit dans Yoshua, tout le monde est venu au Gilgal pour faire le korban Pessah. On ne pouvait pas le faire chez soi à la maison. Pourquoi? Parce que c'est un korban Tzibour. Korban Tzibour, tu le fais en Tzibour, dans la Bamat Tzibour. Ok? C'est le principe de notre Mishnah, de la première partie de notre Mishnah. Maintenant, il y a un problème maintenant dans la lecture de notre Mishnah, c'est qu'il y a une première phrase qu'on a du mal à comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lire et traduire sans rien comprendre. Et traduire ensuite les quelques phrases ensuite, et après on va remonter sur le début de la Mishnah. Elo Kodashim Kerevin Bamishkan. Tels sont les korbanot que l'on pouvait faire au Mishkan. C'est-à-dire qu'il fallait faire au Mishkan. C'est-à-dire, on parle, comme il nous dit le Bartanoura, on parle d'une période particulière où il y avait le Mishkan qui était en fonction, mais malgré tout qui n'interdisait pas chacun chez soi à la maison de faire ses korbanot dans les hôtels particuliers, dans les bamot, dans une bama. D'accord? Donc, tels sont les korbanot qu'il fallait malgré tout s'efforcer à apporter au Mishkan. Eh bien, ce que la Mishnah enseigne, c'est de nous répondre Kodashim Sheouk Deshou la Mishkan. Une phrase un petit peu énigmatique. Les korbanot qui ont été sanctifiés en l'honneur du Mishkan. On ne comprend rien à cette phrase. On saute et on passe à la suite. Et d'abord, on va ensuite définir les deux axiomes de base et après revenir sur la première phrase. Korbanot Atzibur, trois axiomes même. Korbanot Atzibur, Kerevin Bamishkan. Les korbanot, les sacrifices qui sont relatifs, qui touchent au Tzibour, c'est des korbanot nationaux, par exemple les korbanot des fêtes, ou les korbanot de Pessah. Alors la Mishnah enseigne cela, Kerevin Bamishkan, tu dois aller les faire au Mishkan, sur la Bamat Tzibour, sur l'hôtel qui est national, public. Ouais, korban public, en public. Tandis que les korbanot ayachid, babama. Mais les korbanot personnels, tu as voulu faire cadeau HM, une Ola, un Shlamim, et eh ben tu peux le faire dans ta Bama. Ok, pour le moment, ça, c'est clair. On continue après avec un cas particulier. Korbanot Ayachid Sheouk Deshou la Mishkan. Si il y a un Korban Yachid personnel, que Ouk Deshou la Mishkan, que malgré tout tu l'as sanctifié avec intention de la porter au Mishkan, Ikrevouba Mishkan, tu seras obligé de la porter au Mishkan. Étant donné que tu as voulu le faire plus, et eh ben tu devras concrétiser. Maintenant, Vimikrivan Babama, et si malgré tout il a fait le korban, il a égorgé dans sa Bama, dans son hôtel personnel qu'il a fait dans son cours, Patour il sera dispensé, il transgressera pas un interdit de karet. Comme nous le dit le Barthénora, on l'avait déjà évoqué dans la mission précédente, on transgressera quand même un interdit de Nedarim. Ne vous affolez pas, on fait de l'ordre tout de suite, c'est vraiment pas compliqué, ça se trouve, je suis sûr que la moitié ont déjà compris de quoi on parle. C'est pas compliqué, c'est simple. Je peux faire un korban chez moi à la maison, ou je peux faire un korban au Mishkan. J'ai tout le choix. Maintenant, il faut savoir, au Mishkan, on parle de cette période-là où il y a la double possibilité de faire soit en public, soit en personnel. Il y a des korbanot qu'il faut nécessairement offrir au Mishkan. Et il y a des korbanot que tu peux faire chez toi à la maison. Lorsque tu veux faire un korban chez toi à la maison, si au moment où tu as sanctifié le korban, tu t'es dit, mais celui-là, je vais le monter devant tout le monde pour remercier Hachem devant tout le monde. Je vais faire une hola, comme ça tout le monde va... Ouais, bah bon, j'ai eu l'intention de la porter au Mishkan public. Mais dans ce cas-là, je suis obligé de la porter au Mishkan public. Pour le moment, c'est très simple. C'est pas compliqué. Maintenant, le petit point délicat maintenant, c'est simplement de comprendre la première phrase de la Mishnah. Ça va être très, très simple. Le but de la Mishnah maintenant va nous parler si on a sanctifié un korban stam. On va prendre un cas plus concret. Un shlamim. C'est-à-dire que maintenant, j'ai deux situations d'un shlamim. Le shlamim, je peux décider de le faire chez moi dans ma cour, pendant la période où le Mishkan est à Nové Givon, bien sûr, ou à Gilgal, je peux décider de le faire dans ma cour, chez moi à la maison, je construis un petit hôtel, et je fais mon korban shlamim. Je peux aussi décider que ce korban-là, je vais l'apporter au Mizbeach de Givon. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait un korban stam, sans préciser que ce que je vais en faire de ce korban? Ben la Mishnah m'enseigne, sache que tout ce que tu vas faire en stam, sans préciser, ce qui est destiné naturellement, que tu peux faire chez toi à la maison, ton intention c'est de le faire à la maison. Ce qui est destiné à faire à la Bamat Tzibour, à l'hôtel public, alors ton intention, même si tu n'as pas précisé, elle sera de la porter spécifiquement là-bas. Soit, d'accord. Donc en fait, le but de la Mishnah, au tout début, dans la première phase, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe, Bestam,
lorsqu'on ne précise pas. On a laissé les paroles floues, sans savoir. Alors la Mishnah, elle va me dire, bah, c'est simple. « Elo kodashim kerevin b'mishkan » Tels sont les sacrifices que tu devras apporter au Mishkan, que tu seras obligé de les apporter, uniquement « kodashim shiukdeshu la Mishkan » Les kodashim qui sont prédestinés naturellement à être offerts au Mishkan. Tandis que korbanot, en l'occurrence, par exemple, « korbanot atzibur kerevin b'mishkan » Les korbanot publics, tu devras les apporter au Mishkan. Par contre, les korbanot ayachid, les korbanot particuliers, par exemple, ta ola ou ton shlamim, eh ben, babama, tu pourras le faire dans ta bama, même si tu n'as pas précisé où tu voulais le faire, parce que ton intention, elle est toujours de laisser les choses là où c'est facile à faire. Là. Tant que tu n'es pas obligé, tu ne veux pas faire plus. C'est clair, c'est pas compliqué, Baruch HaShem. Et avec, n'oubliez pas la présence que je vous ai dit, que le chataot et le hachamot, ils ne sont pas offerts dans les bamot, même pas à Nov et Givon, comme ça c'est écrit dans Megillah. Même dans la Gemara ici, en fait. Ensuite, on continue avec la deuxième partie de la Mishnah. On est dans Ma ben Bamat Yachid et le Bamat Tzibur. À partir de là, je vous pose deux axiomes de base que vous allez tout comprendre grâce à ça. Lorsque il y a plusieurs rituels à faire lorsqu'on fait un korban. Il faut commencer à faire la smicha, appuyer ses mains sur la tête du korban. Il faut, dans certains cas, si c'est un kodesh kodashim, par exemple une ola, alors il faut l'égorger au nord. Et il y a toutes sortes de rituels à faire. Dans toute la Torah, lorsque vous verrez, vous repasserez dans Hachem la prochaine fois, la parasha de Vaikra et de Tzav, vous verrez que la Torah, elle jette des petits mots de code. Des fois, elle nous dit « Lifnei Hachem ». Des fois, elle nous dit « Ala Mizbeach ». Devant Hachem, sur l'autel, mais sur l'autel qui s'appelle le Mizbeach. Il faut savoir qu'une Bamat Yachid, une Bama, un hôtel particulier, ne s'appelle pas un Mizbeach. Ça s'appelle une Bama, un monument, littéralement. Ouais, on fait une pierre, on érige un monument et on fait un corban dessus. Mais ça n'a pas un statut de Mizbeach. Le Mizbeach, c'est uniquement dans le lieu public. Le Mizbeach qui était dans le Mishkan, c'était le Mizbeach d'ailleurs que Moshe Rabbeinu avait fait. Ok, ça c'est le Mizbeach. Mais chez soi, à la maison, on a une Bama. Et en plus de ça, deuxième point important, lorsqu'on est au Mizbeach public, on a l'avantage d'être lifné Hachem. On est devant Hachem. Alors que lorsque l'on construit un hôtel chez soi à la maison, on n'est plus lifnei Hachem. On n'est plus devant Hachem. Chez soi à la maison, il n'y a pas de Echal qui représente la présence d'Hachem. D'accord? On n'est plus lifnei Hachem. Ben, selon ce principe, maintenant, la Mishnah va nous dire, regarde maintenant dans toute la Torah, à chaque fois, pour chaque mitzvah, la Torah nous a dit parfois de le faire sur le Mizbeach. Des fois, la Torah nous a dit de le faire lifnei Hachem. Eh bien, tu excluras de là que lorsque tu feras ton korban chez toi à la maison, tu n'auras plus besoin de faire tout ça. Je m'explique un peu mieux maintenant. Une ola. On a appris dans la Mishnah, au début de la Mishnah, que je peux décider de faire ma ola chez moi à la maison, ou je peux décider de la porter au Mizbeach public. Eh bien, il y aura des différences sur la manière de la faire, cette ola. Si je suis chez moi à la maison, on va me permettre de la faire avec plusieurs permissions, tandis que si je vais devoir la porter au Mizbeach, je vais être restreint à le faire d'une certaine manière. Par exemple, chez moi à la maison, je peux moi-même la faire alors que je ne suis pas Cohen. J'ai pas besoin de porter des habits, les habits du Cohen, puisque moi je ne suis même pas Cohen de toute façon. Je peux faire moi-même mon corban chez moi à la maison. Et je n'ai pas toutes sortes encore de la smicha, d'appuyer les mains sur le corban. Lorsque je suis chez moi à la maison, je n'ai pas besoin de le faire. Alors que si je vais aller au Mizbeach public à Nov et Givon, eh ben je devrais faire toutes ces mitzvot-là. Et ainsi de suite. Je n'aurai pas besoin de me laver les mains et les pieds avant de le faire, de faire Netilat Yadayim du Kiyor. Je n'aurai pas besoin de me laver les mains. Alors que si on va au Mizbeach public, on est obligé de se laver les mains. On avait appris Ritzat Yadayim Raglaim. Il devait faire avec le Kiyor, il devait se laver les mains et les pieds. Et ainsi de suite. Tel est le principe de la Mishnah. Et on peut déjà, Bezrat Hashem, tout traduire tout d'un coup. Ma ben Bamat Yachid et le Bamat Tzibur. Quelle différence trouve-t-on entre la Bama, l'hôtel personnel particulier qu'on fait chez soi, le monument en fait, les Bamat Tzibur, à la différence d'une Bamat Tzibur, du Mizbeach public. Là-bas, on a encore les Korban. Quelles sont les différences? Lorsque la même Ola, si je la fais chez moi, je ne suis pas astreint à certaines règles, alors que si je la fais au Mizbeach public, je serai obligé de le faire. Premièrement, Smicha, appuyer mes mains sur la tête de l'animal
avant de l'égorger. C'est une manière de dire que je transmets sur sa tête toutes mes fautes. D'accord ? C'est un peu le principe de la smicha. Ou shritat tzafon. Je ne suis pas non plus obligé de l'égorger au nord. Par exemple, si c'est une ola, on avait déjà appris, il y a dans le passage qui nous dit Veshachatoto al yerech amizbeach tzafon al ifnei Hashem. Il y avait marqué là-bas qu'il faudra l'égorger au nord, devant Hashem. Oh, tu me dis l'ifnei Hashem. L'ifnei Hashem, ça concerne que le Mishkan, que le Mizbeach public, mais pas lorsque je suis chez moi à la maison de nouveau. Shrita tzafon. Ou matan saviv. Aussi l'obligation de donner tout autour du Mizbeach, de verser le sang. Shtaim Shanarba, vous vous rappelez, pour une Ola par exemple, il faut mettre sur les quatre coins, on se met en deux positions, et on asperge là-bas dans le coin, et on touche comme ça, et on touche les quatre faces du Mizbeach. Ça, c'est marqué sur le mais. Bezarku ben Aaron, et de moi à la Mizbeach, ça vive à la Mizbeach, Mizbeach public, pas Bama. Idem encore, Utnufa. Il y a pour les Shlamim, il faut faire la Tnufa, balancer le Korban, d'accord, dans les quatre directions. On revient en haut et en bas. D'accord ? C'est la tenufa. Ça, il y a marqué l'ifne Hashem. L'ifne Hashem, donc pas sur la Bama Tirchin. Idem encore pour la Hagasha. Lorsque tu vas faire une mincha, alors, avant de faire la mincha, mais en Hashem, on va commencer aujourd'hui, Menachot, on va dire la première phrase. Alors, la mincha, tu dois la prendre et la mettre devant le Mizbeach d'abord. Faire ce qu'on appelle la Hagasha, comme si tu la présentes. Ça, tu le fais pas, il y a marqué va Hagasha, l'ifne Hashem, Veigisha et la Mizbeach plutôt. Le pasouk est dans le rapport dans le Périkbet de Vaïkra, Veïdisha et la Misbéach, sur le Misbéach. Misbéach, ça veut dire public et pas privé. Rabbi Yehuda nous fait une petite parenthèse en nous disant attention là, t'es parti un peu trop loin avec la Gacha, parce que Rabbi Yehuda Omer, en Mincha Babama. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Mincha, j'ai oublié de dire c'est quoi une Mincha, une Mincha c'est une oblation de blé, de semoule, de pain. Il n'y a pas de Mincha dans les Bamot selon Rabbi Yehuda. De toute façon, je vous ai dit, même dans une Bama, même en public, il n'y a pas de. De Bama. C'est pas précisé, j'ai pas fait attention. Mincha Bama. Desvachim Amarkra Babama. Je sais pas s'il parle aussi de Bama Tzibur. C'est-à-dire, il parle au moins pour une Bama Tiachid. La Bama qu'on fait chez soi à la maison, on peut pas là-bas offrir une Mincha. Je sais pas quelle sera la statue à Nové Givon. Est-ce qu'il y avait des Menachot? J'ai pas vérifié. Je viens de me soulever la question là tout de suite. Je vais pas m'engager. D'accord? En tout cas, selon. Rabbi Yehuda nous dit, de toute façon, t'es parti trop loin, là. Tu m'as dit qu'une mincha, lorsque tu l'as fait chez toi dans ta cour, t'es pas obligé de faire la gacha. Moi, je pense que tu n'as même pas le droit de faire du tout une mincha chez toi à la maison. On continue. Vechihun. Et aussi, il n'y a pas besoin de kohen, du mot kohen. Lorsque je suis chez moi à la maison, je peux moi faire le korban. Tandis que si on est au Bet Amikdash, alors il y a marqué, Vezraka kohen et adam, c'est le kohen qui doit faire la avoda. Au Bet Amikdash ou à la Bamat Tzibur, d'accord? Au Big Day Charet. Big Day Charet, donc il n'y a pas besoin non plus de porter les habits du service que les Kohanim portaient, puisque même un Kohen, il n'a pas besoin de faire. On n'est pas obligé de faire la voda avec un Kohen dans une Bamat Yachid. Donc, à plus forte raison qu'il n'y a pas besoin de porter non plus les vêtements du Kohen. Uchlei Charet, lorsqu'on va asperger le sang, on n'a pas besoin de l'asperger avec un Kli Charet, avec un ustensile spécifique au Bet Amikdash. Ensuite, Ve'reach Nichoach, on n'a pas non plus d'obligation de Reach Nichoach, l'odeur agréable de la viande. Et j'explique très simplement, on a déjà évoqué le sujet. On avait appris dans l'Eshem Shishat Varim, Azavach Nisbach, là-bas, non, je ne sais pas, dans le Perek Bet, à peu près, ça faisait plusieurs Mishnayot en arrière. Principe très simple, une viande, lorsqu'elle est toute fraîche et qu'on la met sur le feu, elle dégage plein d'odeur. Si on la fait griller une première fois et qu'on la remet sur le feu, elle dégage plus d'odeur. La Torah a insisté qu'il faudra faire toutes les viandes qu'on va porter au Mizbeach, on doit le faire Reach Nichoach, une odeur agréable. C'est-à-dire, la viande, tu dois directement, lorsqu'elle est crue, la mettre sur le feu à cramer. Tu as le droit de la faire griller d'abord un petit peu, et après on la monter sur le feu parce qu'il n'y aura plus la belle odeur de la viande grillée, elle ne sera plus là. Tandis que lorsque tu vas le faire, un korban, dans ta Bamat Yachid, dans ton hôtel personnel, particulier que tu as fait chez toi à la maison, tu as le droit, si tu veux, de faire d'abord griller une première fois la viande. Tu veux pas que ça dérange trop les voisins. Donc tu fais d'abord griller un petit peu, et puis après, tu la remets sur l'hôtel. Aucun problème, tu as le droit. D'accord ? Idem, de nouveau, c'est précisé dans le Bar Tanoura, parce qu'on apprend « Reach Nichoach Lachem ». Lachem, pour Hachem, donc c'est comme « Lifne Hachem » devant Hachem. Et en l'occurrence, dans ta Bamat Yachid, on ne considère pas que tu es « Lifne Hachem ». « Umechitza Badamim ». Et aussi,
de séparer les sœurs. De quoi on parle exactement? C'est simple. Vous vous rappelez, il y a des korbanot où il faut un chout à sikra, il faut nécessairement séparer le misber. Il y a des sangs. Lors, selon les korbanot, il y a certains sangs que l'on doit asperger dans la partie inférieure du misber et d'autres sangs dans la partie supérieure du misber avec un chout à sikra, un fil rouge en général, comme ça, d'accord, comme ça s'est rapporté, qui devait séparer la partie supérieure de la partie inférieure pour savoir où asperger le sang. Et bien tout ça, il n'y a plus, c'est à la chot dans les bamat yachid. On continue encore, ou rechout sedaim v'raglaim, il n'y a pas non plus d'obligation de se laver les mains et les pieds avant de faire la avoda dans une bama. Aval, par contre, il y a certains points sur lesquels la bamat yachid comme la bamat tzibur sont, il y aura les mêmes restrictions qui sont Azman, Hanotar, Ve'atame, Shavin, Bazé ou Bazé. Le Zman, la nécessité de manger, si c'est un shlamim, deux jours avec une nuit au milieu, et l'intention au moment du l'égorge de le manger durant les deux jours et la nuit au milieu, et pas plus, sinon ça devient pigoule. Idem aussi pour le Notar, t'as pas le droit de dépasser la limite de temps permise, Ve'atame, et aussi si ça a été impurifié, le Korban devient invalidé. Donc, Shavin, Bazé, Bazé, pour ces trois alachot-là, le statut sera semblable entre la Bamat Yachid et Bamat Tzibur, que tu le fasses chez toi à la maison ou que tu le fasses en Bamat Tzibur, tu devras faire attention à ne pas dépasser les limites de temps et l'impureté. Il n'y a plus de limite d'espace si vous faites attention, c'est évident pourquoi il n'y a plus de limite d'espace, puisque même lorsque le Misbeach il était à Nov et Givon et Gilgal, on pouvait ensuite partir avec les Kodashim Kalim, partir les manger là où on voulait, on n'était plus limité par quoi que ce soit. De ce fait, c'est pas loin, c'est idem aussi pour la bas matière qu'on fait chez soi à la maison, on n'est pas du tout limité par l'espace, d'accord? De ce fait, c'est pas précisé, on a juste parlé de la limite de temps. Et on a fini ainsi, on a fini le Maserhet Zvachim, et on va commencer tout de suite Maserhet Menachot, la première phrase, parce qu'il ne faut jamais rester sur une fin. Kol Menachot Sheminik Metsu Shelo Lishman Ksherot, Ela Shelo Alo La Bealim Mishum Chova. Et on va ensuite continuer Bezrat Hashem. Il va y avoir un grand parallèle entre plein de Mishnayot, de Menachot et de Zvachim. Ça va être le même principe qui va revenir. La Mishnah commence à me dire de nouveau, lorsque tu fais la Kmitza, lorsque tu vas prendre l'échantillon de la Mincha, de l'oblation, et ben tu dois le faire l'Ishmo, et si tu t'es trompé, tu l'as fait l'Hashem, quelque chose d'autre. Alors, la Mincha sera quand même cachée, elle pourra être consommée, mais malgré tout, le propriétaire ne sera pas acquitté. Pour le moment, au prochain, on a ouvert Maserhet Menachot. Mazal Tov, c'est un grand kavod, une grande simcha pour moi d'avoir fini avec vous Maserhet Zvachim. C'est un gros challenge, il n'y en a pas beaucoup de contenu, j'ai vu dans l'audimat au fil du temps qu'on a commencé, on était une petite trentaine, il y a eu des périodes difficiles, on est tombé à 15, 18, mais bon, au prochain, il y en a qui ont tenu la route, et finalement, c'est extraordinaire, parce que je pense que c'est un sujet que rares sont ceux qui auraient eu l'occasion de toucher à ce sujet, si ce n'était pas dans le cadre de notre petit cours. C'est merveilleux. On va faire un petit Lechaim avec mon éternelle bouteille de Bocha qui diminue chaque fois un petit peu plus à chaque sioum. C'est la preuve que je ne bois pas entre deux. Baruch Hashem, Mazal Tov. Lechaim, Tovim, Shalom. Qu'on ait Bezrat Hashem le mérite de continuer comme ça tout le Seder Kochim. Et ensuite, Bezrat Hashem, on verra ce qu'on fera, quel Seder on décidera. Et qu'on finisse ensemble Chasse Mishnayot et même plus, Bezrat Hashem. לחיים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.